Bon, je crois que j'ai compris, vous voulez un tuto sur Cassio. Il a été beaucoup demandé en commentaire et il a vraiment écrasé le dernier vote du champion sur le serveur Discord. Lucian et Anivia se sont fait pulvère et donc Cassio remporte ce tuto et remporte donc le vote, tout simplement, parce que je rappelle que c'est la communauté qui choisit les champions qui vont avoir un tuto, donc si vous voulez participer au prochain vote, vous avez le lien du serveur Discord en description. Bref, on va commencer sans plus tarder avec le premier combo, à savoir sur Cassio. Pour le premier combo, on va commencer en douceur. Il faut savoir que la source de dégâts principale de Cassio, c'est son E, et tu vas pouvoir caler une auto-attaque tous les deux E. Donc en gros, le combo de base, ça va être de faire auto-attaque E-E, auto-attaque E-E, auto-attaque E-E, etc., etc., etc. Il faut pas que tu prennes le temps de vouloir caler une auto-attaque entre chaque E, parce que tu vas perdre du temps, ce sera pas rentable pour toi. Donc prends le réflexe de faire juste une auto-attaque tous les deux E, parce que Cassiopeia a une vitesse d'attaque très faible. Maintenant que tu sais ça, on va parler du deuxième combo de base, à savoir sur Cassio. L'idée va être de commencer avec ton A, d'enchaîner instantanément avec ton E, une auto-attaque, deux E, une deuxième auto-attaque et termine encore avec un E. Ce combo, il paraît tout bête, mais il est vraiment réfléchi. En fait, ce qu'il faut que tu saches avec Cassio, c'est que à partir du moment où tu mets un A sur ton adversaire, tu pourras potentiellement mettre 4 E pendant la durée du poison. C'est très important de savoir ça, parce que ça veut dire que si tu times très bien tes E et qu'à chaque fois tu les fais dans la foulée, tout en mettant des auto-attaques tous les deux E, comme je l'ai expliqué au début, bah tu pourras caler au maximum 4 E. Donc tu n'auras pas besoin de rajouter un A entre 4 E si tu as la possibilité de les faire. Bon, ça c'est vraiment les bases sur Cassio, les deux combos les plus basiques. Maintenant, on va parler du combo pour mettre des dégâts, et à partir du moment où t'as ton ultime, ça va faire très très mal. Tu vas donc commencer avec ton ultime, enchaîné de tes miasmes, donc ton Z. Tu continues avec ton A, ton E, auto-attaque, E, E, comme je l'ai montré avant. Ce combo-là te permettra de mettre un maximum de burst en un minimum de temps, après libre à toi de rajouter des A et des E à la fin de ce combo si ta cible elle est toujours pas KO. Donc on a parlé des combos pour mettre des dégâts. Maintenant, les autres combos qui vont être intéressants sur Cassio, ça va être les sorts flashés. L'idée d'un sort flashé, c'est de flash pendant l'animation de ton sort. Autrement dit, tu vas commencer l'animation de ton ultime, et quand l'animation a commencé, tu vas flash pendant l'animation. C'est très important de flash pendant l'animation, je te montre un autre exemple de possibilité, mais l'idée ça va vraiment être d'avoir un bien meilleur effet de surprise sur ton adversaire pour qu'il puisse pas potentiellement flash out ou esquiver avec un sort d'escape. Ce combo là était déjà sympa, mais là on va passer au combo le plus joli à faire sur Cassio qui s'appelle le reverse ult. Pour ce combo, ton adversaire il devra être derrière toi, un peu comme si tu te faisais chase tout simplement. Tu vas ensuite devoir utiliser ton ultime juste derrière toi, comme si tu cliquais vraiment derrière toi et pas au niveau de ton ennemi. Clique le plus près possible de Cassio. À partir du moment où l'animation de ton ultime a commencé, maintenant tu utilises ton flash le plus loin possible vers ton adversaire. Et là, la magie opère, et voilà ce que ça donne. Ce combo est vraiment magnifique, au-delà du skin, je trouve que le mouvement dans le combo est vraiment super sympa, et il est hyper beau à faire en partie, donc si tu y arrives, GG à toi encore une fois. Dans la même idée, c'est un peu moins beau, mais tu vas pouvoir aussi utiliser ton Z pendant ton flash pour avoir un bien meilleur effet de surprise. Quand t'as pas ton ultime, on va dire que c'est un peu ta roue de secours. Voilà, ça c'était pour les combos, j'espère déjà que t'as appris des choses. On va continuer avec les tips, mais juste avant, je voulais faire une petite pub pour ma chaîne Twitch. Si jamais tu veux me poser des questions en live, ou si tu veux tout simplement continuer ton apprentissage avec ton sensei, tu seras le bienvenu parmi nous. Je te mets le lien dans la description, je fais des lives assez régulièrement, donc n'hésite pas à venir passer le salam. D'ici là, on continue avec les tips à savoir sur Cassio en commençant par ton Q-spell. Alors ton A, il va pas donner l'information si tu touches un adversaire quand il est dans un bush, tu vas pas avoir la vision sur lui. Mais par contre, étant donné que quand tu touches un adversaire, tu vas avoir un bonus de vitesse de déplacement, certes tu le vois pas, mais tu sais qu'il est là. Et ça peut être très utile du coup pour éviter de face check parce que ton A a un délai de récupération très très court et en plus de ça, il a une très grande portée. Donc vraiment quand t'as un mini doute, n'hésite pas à utiliser ce tip pour éviter de face check et de mourir. Ensuite, concernant ton A, ce qui est très important aussi à savoir, c'est que tu vas pouvoir l'utiliser même si t'es cessé par un adversaire. Ton A, il a une durée d'animation. L'intérêt, c'est que tu vas pouvoir réduire ou un peu inhiber, entre guillemets, cette durée d'animation en le faisant pendant un CC, parce que normalement, pendant un CC, t'es censé rien pouvoir faire. Et tu vas quand même pouvoir faire ton A, et donc ça va être un moyen d'optimiser ton temps de dégâts et potentiellement ça sera vraiment utile pendant un fight comme ici. Maintenant concernant ton Z, ça va pas être un silence à proprement parler, ça va pas silence les adversaires, mais ça va les empêcher de faire des sorts à mobilité. Donc à partir du moment où ton adversaire peut potentiellement utiliser un sort à mobilité, n'hésite pas à utiliser ton Z à ce moment-là, garde vraiment ton sort pour ce moment-là pour pouvoir annuler son sort de mobilité et donc le laisser en PLS sur place et potentiellement soit échapper, soit le tuer.
D'ailleurs, je précise concernant ton A et ton Z, les deux mettent un poison qui vont du coup améliorer les dégâts de ton E, mais t'as pas besoin d'attendre que ton A ou que ton Z ait touché ton adversaire pour lancer ton E. Autrement dit, tu vas pouvoir vraiment faire le A enchaîné instantanément avec ton E, et on va dire que le poison va arriver en même temps que les crocs sur ton adversaire, que ton E donc, et donc les dégâts de ton E vont être vraiment améliorés, t'auras pas besoin d'attendre plus longtemps, donc vraiment, n'hésite pas à utiliser ton E instantanément derrière ton A ou ton Z, t'as pas besoin d'attendre. Pour finir avec les tips, je voulais juste préciser que ton ultime, il y a marqué qu'il va stun ton adversaire quand tu le fais vraiment devant lui. Mais ça marche aussi si tu es aux deux côtés par rapport à lui. Tant que tu n'es pas considéré derrière lui, donc tant que tu n'es pas derrière lui de profil, on va dire, bah ça marchera quand même et tu vas quand même stun ton adversaire comme tu le vois ici. Voilà, c'était tout pour les tips. On va terminer cette vidéo par la gestion de la phase de lane, de l'early game. Et avant de commencer, si déjà je t'ai appris des choses, que ce soit dans les combos ou alors dans les tips, bah tu peux liker la vidéo en retour, ce sera un moyen de me rendre l'appareil et clairement ça va aider au référencement de la vidéo, donc merci beaucoup si tu prends le temps de mettre ce petit pouce en l'air. Et sinon, ce que je voulais dire aussi, c'est que si tu veux pas louper les prochains contenus, bah tu peux aussi t'abonner à la chaîne ou activer la cloche même si ça t'intéresse. Bref, je vais essayer de faire du contenu assez régulièrement, donc ce sera un bon moyen de m'aider, sachant que il y a 70% je crois, ou un peu plus, j'avais regardé la dernière fois, de la communauté qui regarde les vidéos qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc bon, merci à celles et ceux qui le feront. On termine donc cette vidéo avec la gestion de la phase de lane et j'ai un premier conseil à te donner là-dessus. Le premier conseil, il va concerner le farming. Il faut absolument que tu cales une auto-attaque avant de faire ton E pour last hit un creep. Je pense que tu le sais déjà, mais lorsque tu utilises ton E pour tuer un creep, bah tu vas récupérer le mana, donc le E ne va pas te consommer de mana, uniquement des dégâts, et la vitesse de l'animation du E est plus grande que celle de l'auto-attaque, donc c'est très important de faire d'abord auto-attaque et après E pour que les deux animations arrivent en même temps sur le creep et qu'elles lui mettent un maximum de dégâts et que tu puisses plus facilement le sécuriser tout simplement. Ensuite, je pense que tu l'auras déjà remarqué, mais Cassiopeia a un très gros point faible pendant la phase de lane, et notamment le début de la phase de lane, c'est qu'elle est très 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 manavore, ses sorts coûtent beaucoup de mana et elle a pas beaucoup de mana à disposition dès le départ de la partie. Du coup, il faut vraiment que tu utilises tes sorts avec parcimonie. Déjà, le A de Cassiopeia n'est pas très rentable en dégâts par rapport au mana que ça te coûte. Donc vraiment, fais attention à ne pas trop l'utiliser, à vraiment l'utiliser uniquement lorsque tu penses pouvoir mettre une bonne session de trade sur ton adversaire et ne l'utilise pas dans les creeps parce que ce sera pas intéressant. Et essaye de garder ton E pareil uniquement pour le last hit ou pour vraiment poke ton adversaire. Mais fais très attention à ça. Tu pourras vraiment utiliser pleinement ton personnage après ton premier back lorsque tu auras débloqué un item qui te donne du mana ou de la régène mana. Ensuite, par rapport au farming, ce que je te conseille de faire lorsque tu as besoin de fast push la wave, pour X raisons, on s'en fout, je te conseille de te mettre de façon perpendiculaire à la wave de sorte à ce que ton Z touche l'intégralité des creeps. Comme ça, ça te coûtera moins de mana de fast push la vague de creep parce que bah, ton Z va toucher tout le monde, donc le poison sera sur tous les creeps et tu pourras facilement utiliser ton E. Et donc ce sera beaucoup plus rapide pour fast push la bague de creep. C'est un petit conseil, c'est pas grand chose, mais c'est très utile et faut surtout pas l'oublier. Maintenant, il faut que tu comprennes bien que la force de Cassiopeia, c'est la phase de lane, les 1v1, vraiment la bagarre. Il faut pas que t'hésites à prendre des trades à partir du moment où t'as débloqué ton premier item ou alors que t'as ton ultime, parce que c'est vraiment là où va être forte Cassiopeia. Dans la pression qu'elle va pouvoir mettre pendant la phase de lane, elle va vraiment pouvoir attaquer un adversaire très facilement. Tu vas facilement pouvoir punir une erreur de positionnement. Mais du coup, il ne faut pas que tu prennes en compte de gank tes adversaires, tes alliés plutôt, parce que c'est pas la force du personnage. Cassiopeia déjà n'a pas de bot, mais c'est pas le point fort du personnage. Le point fort du personnage, c'est vraiment de rester sur sa lane pour l'éclater tout simplement. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que lorsque tu débloques une priorité, tu peux par exemple aller récupérer les vraies adverses, ou alors c'est que les vraies qui sont les plus proches en fait de la mid lane. Après, si t'es top, ça pourrait potentiellement être le Gromp ou les golems, mais bon, ça c'est un peu spécial. Mais si tu joues Cassio au mid, n'hésite pas, lorsque tu as la priorité et que le temps dans la partie s'est déjà un peu écoulé, que t'as un peu tes sorts de montée et quelques items, bah tu pourras facilement aller récupérer les vraies quand t'as la priorité. C'est un moyen de récupérer encore plus d'avantages et de mettre le jungler adverse un peu plus dans le mal. Mais voilà, retiens que tu dois vraiment jouer la phase de lane et que tu dois inhiber un maximum les ganks sur tes lanes alliées, donc la top lane ou la bot lane par exemple. Pour finir, j'ai un dernier conseil qui va être très utile contre les assassins, parce que la force des assassins, ce pourquoi ils sont vraiment balèzes, c'est qu'ils ont une facilité à pouvoir te mettre des dégâts, parce que
ils ont potentiellement beaucoup de dash pour arriver au corps à corps. Et donc toi, étant donné que t'es un champion à skill shot, en parlant de ton E pour sécuriser ton E, bah il faut que tu mettes d'abord le poison sur ton adversaire avec ton A et ton Z, qui sont bah, des sorts à skill shot. Et je te parle même pas de ton ultime. Du coup, ce que je te conseille de faire dans ces match-up là, bah, c'est de jouer en réponse. D'attendre que ton adversaire t'engage au corps à corps, garde tes CD, et à partir du moment où il est au corps à corps et qu'il a utilisé ses dash pour te go in, c'est là où tu joues en réponse, où tu contres son engage et que tu vas pouvoir le trade. Du coup, tu dois faire super attention en lane à ne pas utiliser tes CD pour rien parce que ça laisserait potentiellement une ouverture à l'assassin adverse de te go in et où tu pourras pas répondre à ça parce que tu auras pas tes CD. Donc vraiment, fais très attention à ça et joue uniquement en réponse. Ça te demandera potentiellement de récupérer un peu d'armure ou de résistance magique en fonction du type de dégâts de l'assassin pour éviter de te faire one shot instant, mais joue uniquement en réponse et tu verras que tes trades se passeront généralement beaucoup mieux. Voilà, c'est tout pour ce tuto sur Cassio. Je pense que j'ai fait le tour du champion et d'ailleurs, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas hein, dans les commentaires à ajouter des informations. J'en vois souvent qui font ça, c'est très apprécié, donc merci. Et comme je te le disais aussi, bah, si ça t'a permis de carrer tes games, tu peux liker la vidéo, ça carry la chaîne aussi, et ou sinon t'abonner si tu veux pas louper les prochains contenus. Ce sera très apprécié aussi. Et je tenais à remercier particulièrement aussi les personnes qui me soutiennent sur Utip. Il y en a beaucoup qui me font des donations récurrentes mensuelles et ça me permet, ça m'aide énormément. Donc j'en parlerai un peu plus souvent dans mes vidéos YouTube, notamment en fin de vidéo pour les personnes à qui le contenu plaît le plus. Donc voilà, c'est un moyen de, bah, de remercier le créateur de contenu. Donc merci beaucoup à vous de m'aider comme ça. Et ce que je disais aussi, c'est que bah, je fais des lives régulièrement sur Twitch. Donc bah, si tu veux découvrir encore plus du Shamalosan et continuer à apprendre des choses, tu seras le bienvenu dans ces lives. Et je terminerai aussi, parce qu'il y a une information que je dis pas tout le temps, mais je suis aussi coach, je fais des cours de League of Legends. Donc si tu veux faire avec moi une séance d'une heure pour avoir une aide plus personnelle, propre à toi, et qu'on puisse travailler tes points forts et comprendre bah, les points faibles que tu as pour pouvoir les corriger, les améliorer et les éviter tout simplement, t'as le lien vers le formulaire du coup qui sera dans la description. Voilà, c'est tout je crois. Je terminerai cette vidéo par les mots d'un chanteur à la voix cassée qui m'a dit « Le plus important dans League of Legends, ce n'est pas le champion, c'est ce que tu en fais ».